Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui. Oula, je viens de me fermer. Ah, mon ombre. Vous savez ce que c'est quand on a des longs ongles? Les filles qui ont des. Même les mecs, hein, je sais pas. Qui ont des longs ongles, mais ça fait tellement mal quand on se le tord ou quoi. On reprend. On se retrouve aujourd'hui pour la boxe de juillet, août et septembre. Donc c'est pas un truc, ils ont pas combiné les trois, hein, c'est juste, ils ont combiné juillet août. Donc dans un vanity comme ceci. Ouais, c'est. Ils voulaient. Ils font souvent ça pour le juillet-août. Donc, ouais, c'est. Bon, là, il y a encore plein de trucs parce que je l'ai emmené en vacances. En fait, je le trouve trop mignon et puis il est pratique et tout. Donc, voilà, bon, c'est un peu le but des sacs comme ça. Voilà. Et aussi, j'ai mis la box aussi de septembre parce que j'ai pas eu le temps de vous faire une vidéo. Donc voilà, je vous présente tout aujourd'hui. La box de. On va commencer donc par la box de juillet-août, logique. Et c'est plutôt des produits dessinés pour la plage, tout ça, comme c'était pour moi, tout ça. On s'en doute. Donc ils disent qu'ils ont glissé un 11e produit dans un best-seller en cadeau en fait, dans Vinity. Parce que normalement il n'y a que 10 produits comme c'est 5 produits par box. Donc voilà. Ils disent que c'est qui va révolutionner la vie de votre chevelure. Donc je sais déjà ce que c'est. On verra après. Donc en premier on a cette crème hydratante. Crème légère de Décléor. Donc il met un Hydra Floral Ever Fresh. Donc j'ai vraiment bien aimé cette petite crème, elle est vraiment enfin, légère et elle est vraiment agréable et j'aime trop l'odeur, ça sent comme ils disent sur le packaging, ça sent vraiment les fleurs en fait, je saurais pas dire quelles fleurs mais ça sent bon, j'aime trop et franchement elle est... enfin, moi quand j'ai la peau sèche. Après en tout cas j'ai plus la peau qui tiraille, enfin elle fait quand même bien, elle hydrate bien. Oui en fait je pense que du coup vous allez remarquer un peu à la fois, mais je suis un peu, je perds beaucoup de trucs en fait, voilà. Du coup je peux pas vous montrer le produit suivant parce que ah si j'ai retrouvé en fait. Ah bah si je peux vous montrer, c'est bon, c'est ça. Donc c'est un produit de Human Plus, je sais pas comment on dit, Human Plus qui Kami. Enfin bref, voilà. C'est une crème 3 en 1 pour les mains, coudes et pieds. J'ai pas trop compris le concept, genre pour les coudes. Genre tu fais une crème pour les coudes. Pourquoi pas. Après c'est vrai que c'est une zone sèche, donc ouais, les mêmes. Je crois, c'est bizarre. Donc voilà. Donc, moi j'ai pas utilisé pour les coudes. Hein. Mais pour les mains en tout cas, elle est vraiment bien. Donc votre allié pour une peau douce à tous les coups. Ouais. En fait, c'est vraiment une crème ultra hydratante en fait. Elle est vraiment riche. Donc ça c'est vraiment bien. Dans le petit carnet, ils disent les coups. Son côté super hydratant et multi-action sur les mains, coudes et pieds qui sont les parties les plus facilement irritables de notre corps. Ouais, je comprends mieux le concept. Mais je kiffe l'odeur, par contre, c'est une odeur de pamplemousse. C'est ultra frais, je le trouve. Mais on sent vraiment que c'est une crème. Elle est pas légère, elle est vraiment. Elle est riche, quoi. Ouais. Mais l'odeur du pamplemousse, elle est subtile.
qu'est-ce qu'il fait là? Oh, il a un mouchoir. Ensuite, on a un produit de Larry Tizzy. C'est le Long Lasting Liquid Lipstick. Comment il se... Ah, j'ai oublié de montrer notre... Bon, même si on voit pas bien, hein, qui est pas vraiment de focus, mais je vais quand même vous montrer un petit peu. Là, ça ressemble à ça. Le rouge à lèvres, il est comme ça. On voit le nom de la marque sur le côté. Donc, il y avait deux teintes. Moi, j'ai le... Power, c'est le nom. Ouais, donc moi je crois que j'ai la teinte Power. Il est marqué ça en tout cas sur le carnet, mais c'est pas précision, donc voilà. Sinon, il y a une teinte plus rosée. Mais je connais pas les teintes, donc désolée. Sinon, ils promettent, c'est censé être un rouge à lèvres qui tient bien, qui tient toute la journée. Donc ça rend du mat. Ultra pigmenté, qui tient du matin au soir, du soir au matin. Ah oui, ça, ils nous donnent un conseil aussi. Donc, pensez à exfolier régulièrement vos lèvres et à les hydrater. Ça, c'est, ils ont raison quoi. Genre, moi je sais que je le fais pas souvent exfolier. Et après, c'est, en fait, c'est comme ça que ça marque les ridules. Enfin, ça fait beaucoup moins. Le rendu est beaucoup moins joli. Donc, si tu hydrates bien tes lèvres, tout ça, c'est beaucoup mieux. Et donc, il nous dit aussi que c'est une marque vegan et cruelty free. Donc voilà. En gros, ça donne ça. C'est un. Un rouge qui est sur le bordeaux en fait. C'est vraiment. Il est vraiment beau. Voilà. Donc moi je l'ai porté pas mal de fois cet été et en fait il est quand même bien assez chaud, enfin c'est un mat donc on s'en doute un peu, mais par contre il tient pas mal, c'est vrai qu'il tient bien, mais toute la journée non, il y en a qui tient mieux, mais c'est pas mal. Ah mais j'en ai loupé deux, il est vraiment loin à sécher le... Je pourrais pas faire le test. Non, il est pas sans transfert, je pense. En fait, je viens de me rendre compte que j'avais loupé une page. Du coup, ça, c'est le deuxième produit. Donc, c'est un Melting Lip Powder de Clay Cosmetics. Je ne sais pas du tout la marque. Donc, voilà. C'est un petit tube comme ça. Et en fait, c'est un rouge à lèvres poudre, c'est trop bizarre, j'avais jamais testé. Donc en fait, ils nous disent que c'est en même temps un rouge à lèvres mat et ça peut être aussi donc un blush. Évidemment, donc c'est la poudre, donc c'est logique. Et quand on le met sur les lèvres, en fait, ça devient. C'est trop bizarre, c'est trop bizarre comme matière et tout. Je sais pas comment expliquer. Ça devient comme un rouge à lèvres en fait. Par contre, un truc, faut faire grave attention. Oula, il veut s'en aller. Faut faire grave attention parce que quand tout l'ouvre, en fait, comme c'est de la poudre, bah tu peux en foutre partout. Donc il faut vraiment faire attention quand on l'ouvre. Donc là, vous voyez, ça donne ça. En fait, c'est vraiment une matière hyper chelou. C'est moitié, en fait quand tu l'appliques ça devient liquide, c'est vraiment trop bizarre. Et la couleur, c'est comme ça, c'est en fait c'est un orangé, hein. Voilà, mais elle est vraiment belle, enfin ça fait une... enfin, sur le bleu, en blush j'adore, c'est trop mignon, c'est naturel et de toute façon ils disent blush naturel. Et en par contre pour lèvres, enfin c'est mignon aussi, mais genre on voit pas trop, donc moi je préfère un truc plus qui se voit. Je suis pas très nude, donc la meuf elle dit ça. Celui-là je l'adore, par contre je vous présenterai après, mais celui-là j'adore. Donc après, le quatrième produit, c'est un shampoing de Brazilian Keratin, c'est le G Synergy. Donc c'est comme ils disent, c'est un shampoing à la kératine.
J'ai l'impression que c'est trop à la mode en ce moment, ces shampoings-là. Et enfin, en même temps, et pour moi, c'est super. Enfin, c'est bien pour mes cheveux parce qu'ils sont. En fait, la kératine, c'est une protéine naturelle essentielle. Ils disent, c'est ce qu'ils disent dans le carnet, à la bonne santé de votre crinière. Et donc, en fait, c'est une formule qui est censée hydrater et réparer en profondeur. Et en fait, il y a un truc spécial, en fait, ils disent j'ai comme gingembre. En fait, c'est l'ingrédient principal du shampoing. Ah non, de la marque carrément. Ouais, c'est l'ingrédient clé de la marque. Ah oui, donc, ah putain, j'ai dit n'importe quoi. En fait, la marque c'est G-Synergie. Merde. Donc, ouais. Et donc, en fait, ouais, les propriétés du gingembre, il augmenterait l'afflux et l'échange sanguin au niveau du bulbe capillaire. Ce qui renforce le cheveu et prévient ses chutes. En fait, ça agit un peu comme un espèce de gommage pour les cheveux, en fait. Donc, j'utilisais pas mal, je l'ai pris en vacances et tout. Et enfin, faut savoir que moi j'ai déjà un shampoing à la kératine. Et enfin, j'adore ça, c'est les shampoings comme ça, c'est. C'est trop bien. Voilà. et donc, je connais déjà pas mal. Et pour moi, ça marche assez bien. Après, vous savez, j'ai les cheveux hyper asséchés à cause de mes colorations, tout ça, donc voilà. Donc celui-là, il se rapproche assez de celui que j'ai déjà, alors que celui-là, il y a du gingembre aussi, donc c'est un plus. Mais franchement, ouais, pas mal. Par contre, il me semblait qu'il moussait pas trop et tout. Enfin, je sais que c'est pas tout, ça veut pas forcément dire qu'il est pas bien, mais en fait, moi, perso, quand ça mousse pas, j'ai l'impression que mes cheveux vont pas être lavés, en fait. Je sais que c'est débile, mais c'est comme ça. Donc après, c'est le fameux best-seller qui est nouveau rajouté, le 11e produit. Donc c'est ce petit truc-là. Donc je l'avais... En fait, c'est pas vraiment une découverte pour moi, je l'avais déjà eu dans une box. Et enfin, il me semblait que... Ouais, c'est carrément une marque adoubée par la communauté Birchbox. Rien que ça, hein. Ah ouais, c'est une formule sans sulfate, sans parabène. Elle est 100% végétalienne. Donc en fait, c'est censé enlever les frisottis que ce que j'ai déjà, ce que j'ai beaucoup d'ailleurs. C'est vraiment chiant. Il lisse, adoucit et restructure vos longueurs pour des coiffures parfaites. Donc je l'ai pas rendu celui-là, je l'ai pas. Énormément de en fait, bizarrement. Genre, la fois, quand j'ai déjà eu, bah, je me sens pas vraiment, mais il me semblait, enfin, il me semble qu'il est bien. Par contre, l'odeur, ah, je kiffe les odeurs de gomme, tout ça pour les cheveux. Oh, truc de ouf, ça sent super bon. Je saurais pas vous dire ce que ça sent, mais j'adore. Mais par contre, il me semble que c'est ça que j'utilisais bah, pour mes frisottés, justement, et ça marche super bien. Et j'ai utilisé comme démêlant surtout, et en fait il démêle bien, pourtant c'est pas ce qu'ils promettent. Donc après on passe au produit que bah celui que j'ai perdu. Je sais vraiment pas où il est, j'ai pas arrêté de chercher et tout, mais pas moyen de le trouver. Je suis vraiment désolée, en plus je l'adore quoi. D'ailleurs par contre, comme c'est bien la preuve que je les teste et que je les utilise, hein, parce que je l'emportais partout avec moi et tout, enfin, trop bien. Mais en vrai, ça me fait vraiment chier parce que bah, j'utilise tout le temps en fait et je le trouve pas. Donc en fait, c'est la. Je vais le montrer comme ça, et au pire, je vous montrerai une photo. Je sais pas si vous voulez bien. Donc en fait, c'est une autre parfum de Mademoiselle Rocha. Enfin bon, de Rocha, et en gros il s'appelle Mademoiselle Rocha. Et en fait ils ont donné un échantillon en fait, mais genre l'échantillon il est petit, mais c'est trop mignon, genre je voulais trop vous montrer, c'est trop chou. Donc en fait la senteur c'est plutôt, c'est vraiment, ça sent l'été en fait, ça sent les fleurs, tout ça. Ouais, c'est plutôt une odeur florale. Bah là en fait il nous parle de la formule, donc en gros c'est un mélange des fruits rouges,
avec des notes épicées et des pétales de rose. Donc, ça n'est même pas, j'adore la rose en fait. Je trouve ça sent trop bon. Il y a un petit mot aussi du créateur de la marque, c'est Marcel Rocha. Il nous dit, on doit sentir une femme avant même de la voir, disait le fondateur de la maison Rocha. Ils disent, dans le carnet, ils font un commentaire, ils disent, un monsieur qui avait le sens du chic. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'ai l'impression que cette phrase, moi je trouve pas qu'elle nous mette en valeur en fait. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu macho, genre. Genre je sais pas, on est obligé de mettre du parfum. Enfin, je sais pas, elle m'inspire pas cette phrase. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires, mais franchement, je sais pas. Cette phrase, elle me perturbe. Donc ensuite, je sais plus quel projet on en est. On est tellement dans cette box, en vrai, je sais plus, tant pis. C'est un produit de Rituals, Nitty Bébé. J'adore tellement cette marque. Je sais plus si je l'ai déjà dit, mais cette marque, c'est mon coup de cœur. Et donc, en fait, c'est comme ils disent, un shower foam. Je sais pas si je le dis bien, je pense. C'est un gel douche, un gel douche quoi. C'est la gamme Ritual of Happy Buddha. Donc en fait, elle se présente comme ceci. Donc en fait, c'est la version. De toute façon, c'est tous les échantillons. Hein. Voilà, c'est trop trop mignon. Genre, en plus, c'est pratique. En vrai, les échantillons pour partir en vacances, c'est trop la vie. Genre. Et puis, du coup, en fait, j'en ai un deuxième à vous montrer parce que j'adore tellement cette marque que j'en achète. J'adore ça. J'en achète plein. Et en fait, la particularité de ce gel douche, c'est que c'est une mousse en fait. C'est en gros, on l'applique, ça fait un peu comme un gel douche, comme un gel douche classique. Sauf quand tu l'étales, en fait, ça fait une mousse. C'est trop agréable, ça. Franchement, moi, je kiffe. J'adore les gels douches mousse en fait. Je trouve ça, genre, c'est réconfortant, tout ça. Enfin, en fait, c'est la formule, c'est en gros, il y a de l'orange douce au bois de cèdre. Voilà, et j'adore l'odeur. De toute façon, je pense que j'adore toutes les odeurs de Rituals, voilà. Je sais pas, leur packaging, genre, ils donnent trop envie, j'aime trop, c'est trop bien pensé, tout ça. Et il y a un petit encart qui nous parle du rituel en fait. Donc c'est un rituel qui s'inspire du Bouddha Rieur, un moine chinois devenu légendaire pour sa joie de vivre, qui dispensait santé et prospérité aux gens rencontrés sur sa route, de quoi vous apporter une bonne dose de bonheur dans notre quotidien. Voilà. Donc le deuxième que je voulais vous parler, c'est celui-là. Donc celui-là, je l'ai acheté par moi-même. Et il s'appelle Yogi Flow. Donc c'est un Indian Rose et Sweet Almond Oil. Donc c'est en gros la rose indienne et de l'huile d'amande en gros. De l'huile d'amande douce. Et en fait, j'adore encore plus cette odeur. Genre, elle est vraiment addictive cette odeur. Je kiffe un truc. Déjà, je kiffe la lavande douce. Donc, je pouvais que. Donc, après, on passe sur. C'est une brosse. Donc, ils nous ont mis la wet, la fameuse. Normalement, je voyais tout le temps. Cette brosse là, elle est hyper connue, donc c'est la wet brush comme ceci. On voit bien la signature de la marque ici. Donc c'est une petite, c'est une version mini, parce que je pense qu'il y a les grandes, il y a les versions grandes, il me semble. Donc autant dire, au début je la trouvais plus, je sais pas où je l'avais foutue et tout. Donc autant dire que je l'ai utilisée, réutilisée, tout ça, c'est ma nouvelle brosse. Je les prends en vacances, tout ça, et j'ai encore des cheveux dessus, c'est ouf. Voilà.
voilà. Elle marche super bien, elle abîme pas les cheveux en fait. Et c'est vrai du coup que le petit format c'est hyper pratique pour transporter du coup, enfin pour monter. Et on peut l'utiliser sur tout type de cheveux, donc lisse, bouclée, frisée. Ça c'est vraiment un plus, un gros plus. C'est le polissoir 4 faces de Birchbox. Donc c'est ça, je pense que vous connaissez, c'est en gros une lime. Alors j'en avais vu une autre dans une vidéo, enfin dans une, un truc qu'on m'avait donné en cadeau quand j'avais été à Paris. Et donc en gros bah, le principe c'est que on lime et on parfait la forme avec ce côté là. Après je vois même plus ce qui est écrit en fait, genre je crois que c'est on polie avec ce côté là. Après on glisse la surface, mais bah, je suis pas trop fan de ce côté là. Et quatre on fait briller. Mais franchement c'est bien, genre j'aime bien le concept et tout, mais elles sont toutes très bien. Et en dernier, c'est un lip mask. J'ai jamais testé ça par contre. Je vais le tester avec vous en fait. Ce sera plus drôle. Et donc, c'est de la théorie des volcans. Donc, c'est vraiment la marque en fait. C'est nous la marque. Donc, ça ressemble à ça le packaging. Moi, j'aime trop. Je trouve trop. Genre, ça peut vraiment l'utiliser et tout. C'est vraiment. J'aime trop l'univers. Quand j'allais voir ce qu'ils font d'autre, la marque que je connaissais pas du tout. Et je trouve ça vraiment original. C'est un masque donc, hydratant et repulpant. Après, du coup, on passe à la deuxième box, donc la box de septembre, qui se présente comme ça. Voilà, j'aime trop le motif, c'est trop mignon. Donc, c'est en collaboration, si vous l'avez vu, c'est en collaboration avec Elle, donc le magazine. Si vous connaissez pas. Et donc, ils nous ont pas magasé, franchement, ce serait plus ça, je trouve. Et du coup, comme truc en plus, comme cadeau en plus, on a. Ils nous offrent 2 mois d'abonnement. Au magazine Elle, sans doute. Donc, c'est 9 mois gratuit. Voilà. Et en plus, une carte cadeau préchargée d'un montant de 15€ chez MAC. Alors là, comment vous dire que je suis. Par contre, faut pas que je tape parce que c'est jusqu'au 15 octobre. Donc voilà. Ils me disent que Birchbox a choisi de faire une collaboration avec Elle parce qu'ils adorent le magazine en fait. Donc en premier, on a un masque ultra réconfortant de Apicia. Donc c'est censé être 100% naturel et il est censé régénérer les peaux les plus déshydratées et fatiguées. Donc il hydrate en profondeur, nourrit et assouplit. Et donc il est composé, ça c'est trop bizarre, du pollen associé à du miel. C'est bizarre. Je comprends pas. Si ça marche. La texture elle est ultra, je sais pas comment se dire. C'est assez crémeux en fait. Par contre, vraiment, j'aime vraiment pas l'odeur en fait, c'est ça. Je sais pas comment vous dire, j'aime pas du tout. Après, donc j'ai pas eu le temps vraiment. Enfin, oui, j'ai pas vraiment eu l'occasion vraiment de tester bien. Mais ce que j'ai fait, en tout cas, genre je l'ai fait une fois. Et il est assez. Et en fait, il est vraiment riche, on dirait. Pour moi, c'est pas une texture de masque, je trouve. C'est une crème en fait. Genre, il est vraiment. C'est lourd en fait. Mais par contre, du coup, c'est riche, sans doute. Et ça hydrate vraiment. C'est assez spécial en fait. Faut vérifier. Donc, après, on a un complexe booster de pouce de D-Lab. Donc, j'adore recevoir ce genre de produit. C'est des gélules en fait. En gros, c'est un. En fait, c'est une cure du coup. Et ça vient du Corner Green, si vous savez pas ce que c'est en fait, Corner Green sur Birchbox, c'est tous les produits en fait qui sont vraiment ces ingrédients naturels en fait. En gros, c'est ça. Il n'y a pas de trucs pas bons pour la santé ou des trucs dans le genre. Donc c'est une cure de 28 jours.
Par contre, j'ai pas eu le temps de commencer parce que j'étais encore sur ma cure de complément solaire pour aider à bronzer en fait pendant l'été. Donc ouais, je l'ai arrêté il y a pas longtemps, alors du coup il faut que je commence. Je vous en parlerai, je vous mettrai ce que j'en pense et du coup plutôt en barre d'infos quand j'aurai fini de le tester. Et je vous en parlerai aussi si vous voulez sur les réseaux, tout ça. Mais en gros, ce qu'il est censé faire, c'est booster vos cheveux et surtout les aider à pousser plus vite. C'est en nourrissant en profondeur le bulbe capillaire et stimuler son activité pour agir sur la pousse et la forme des cheveux. En gros, c'est un peu comme le gingembre dans le shampoing à la kératine. Ça va vraiment booster en fait tous les vaisseaux sanguins en fait qui sont sur ta tête. Par contre, la prescription c'est 2 gélules par jour avec un verre d'eau. Je trouve que 2 gélules c'est beaucoup. Bah justement, je disais, je parlais du shampoing et de la kératine, mais en fait, ils sont actifs constitués. L'actif constitutif c'est la kératine en fait. Donc c'est logique, c'est en même temps. Après, c'est un produit de Garantia, j'adore aussi cette marque, c'est bon. C'est ce petit truc là, franchement, on dit c'est une petite merveille. On voit pas ce qui est écrit, mais en gros, c'est tout petit. C'est un petit truc comme ça. Et en fait, c'est l'élixir du marabout. Donc, c'est une huile pour le visage en fait. En fait, c'est une huile qui sert c'est une huile qui sert à atténuer les imperfections, les boutons, toutes les irrégularités qu'on peut avoir sur la peau. Ça doit purifier la peau en une semaine. Donc si on en France, en fait ils disent de l'appliquer matin et soir. Donc si on l'applique matin et soir pendant deux applications, il y a un test clinique qui a été fait, deux applications pendant 10 jours sur 22 sujets, donc en gros sur en une semaine ta peau est purifiée normalement, voilà. Et donc ça agresse pas et ça dessèche pas. Franchement, c'est un petit bijou ce truc là, enfin moi j'ai pas beaucoup d'imperfections donc ça va, je peux pas super bien le tester, mais en tout cas sur les boutons que j'ai eus, c'est vrai que ça, on les voit beaucoup moins en fait. Voilà, en gros c'est une petite pipette comme ça, faut mettre 4 gouttes dans le creux de la main et après en masse en fait. Oula, je me suis mis sur le nez, c'est trop gros, ça fait des petites bulles. Et en fait, l'odeur, ça sent le parfum en fait. Et c'est aussi un produit qui vient du Corner Green. Et en fait, la particularité de cette marque, c'est qu'elle utilise en fait la botanique en fait pour faire ses produits. Donc ça, franchement, je trouve ça ultra original. Enfin, c'est naturel et tout. Franchement, trop bien. Ensuite, c'est un produit de La Roche-Posay. C'est ce petit truc là, enfin ce petit, mais plus grand que les autres échantillons qu'on a reçus. Mais ce produit là, c'est le Lipicare. Je pense que ça se dit comme ça. Lipicare huile lavante. Donc, comme vous l'avez compris, c'est une huile lavante pour le corps. Donc en fait il a été fait pour les peaux à tendance très sensible et sèche. Du coup c'est un produit anti-irritation et c'est relipidante. Donc en gros c'est une huile, du coup c'est riche, c'est hydratant. Donc ça va contrer le fait que la peau elle soit sensible. Et c'est du coup. Donc c'est formulé donc sans savon, sans alcool, sans colorant et sans parabène. Donc voilà. Et autant dire que
Ce produit là je l'aime beaucoup parce que bah faut savoir j'ai une peau, si j'ai déjà dit je pense que oui, j'ai une peau sèche en fait et il y a des gens, il y a des gels douche que je supporte pas. Celui-là il est, c'est un peu comme les, il est, comment dire, il est fait pour moi quoi. Voilà, donc ouais j'aime beaucoup. Pour ce qui est du parfum, ça sent pas grand, vraiment grand chose en fait, c'est plutôt neutre, mais enfin il y a peut-être une odeur mais c'est très subtil, mais après je ne saurais pas vous dire quoi en fait. Dans le packaging comme ça, je dirais que ça sent un fruit, mais non, en vrai ça sent pas quand on l'applique sur la peau, on sent vraiment pas. Ensuite c'est mon chouchou de la box de septembre. Ça tout le monde l'a reçu dans toutes les box, normalement tout le monde l'a reçu parce qu'on a dû choisir à l'avance peut-être la couleur qu'on voulait. C'est un rouge à lèvres MAC. Le packaging, hein, je pense que vous connaissez. Je suis trop contente, j'adore les rouges à lèvres MAC. Franchement, c'est... Je sais pas, ils sont trop bien. J'en ai plein d'autres que j'aime bien, mais les MAC, je sais pas, c'est... Je kiffe. Du coup, j'étais trop contente. Et on avait le choix entre deux teintes, il me semble. Là, ils en mettent qu'une, mais... ouais. Donc moi celle que j'ai c'est la teinte 608 mer. Donc je pense que vous connaissez les packaging, non? J'aime trop, c'est trop classe je trouve. Donc la couleur, je vais faire un petit swatch. Ça donne ça. Donc c'est un... Ouais en fait c'est un espèce de vieux rose... Et genre, bah d'ailleurs, c'est celui que je pense sur mes lèvres. Je l'aime trop. Je l'ai mis tout le temps pendant ce mois-ci. Hein, je l'aime beaucoup trop. Du coup, ouais, c'est un nude. D'habitude, je suis pas fan des nudes, mais comme je disais, celui-là, je l'adore. Il y en a vraiment. Il me tape dans l'œil. Voilà, je suis fan. L'avantage de cette teinte-là, c'est que bah, je pense que. Elle va à toutes les carnations, que ce soit de la plus claire à la plus foncée. Ils nous disent une formule, c'est une formule riche et crémeuse. C'est vrai que les rouges à lèvres MAC, ils ont vraiment cet avantage-là d'être crémeux. Par contre, il assèche quand même les lèvres. En même temps, c'est un mat, donc on s'en doute un peu. Par contre, ils sont transfert. On va faire le test de la main, du coup. On voit... Non. Bah on voit une mini trace mais ça va genre. Non on voit rien. Bah j'ai vu encore mieux mais bon ça va franchement. Je peux faire la difficile, ça va franchement. Et il est aussi normalement être censé être long durée et pour moi il tient pas... Il est fou. Ouais il tient bien mais pas toute la journée. Par exemple moi il mange quand... Il part quand je mange en fait, alors que là dans le carnet il nous dit que c'est censé résister au brunch interminable, c'est-à-dire bah, les repas quoi, et moi ça tient pas. Après peut-être que je mange comme une grosse cochonne, hein, mais je ne pense pas, du coup je mange comme tout le monde. Du coup c'est l'heure de tester ce masque. En vrai j'ai pas envie, mais genre le packaging il est trop beau en fait, ça marche tout le temps comme ça. Genre le packaging est trop beau, j'ai pas envie d'utiliser le produit, c'est un truc de ouf. Il y a 90% d'ingrédients d'origine naturelle, j'ai une douche en plus ça franchement. C'est toujours une peau nettoyée et sèche, oui c'est bon. Appliquer le patch sur le contour des lèvres, laisser agir 15 à 20 minutes puis retirer sans rincer. Ah vous pouvez le conserver au frais pour un juste encore plus visible. Enfin, j'aurais dû le lire. J'avais pas vu ça. Mais après, il fait tellement froid en ce moment que bon. Peut-être pareil. Ah, il y a plein de. J'aime trop l'odeur. Je sais pas si c'est ça, mais j'aime bien. J'espère que c'est pas genre les gros trucs qu'on voit qui sont énormes, qui prennent trois fois ta bouche.
Ah non, ça a pas l'air. Ah bah si. En fait, ils ont doté, hein. Ah, c'est des bouches de... Une belle grosse bouche. Oh putain. C'est de grave galère. Je sais même pas si ça va tenir. Ah, c'est trop bizarre, la matière. Au but bord, le maintenant, c'est fini. Excusez-moi. Je suis condamnée. Trop sexy. Voilà. C'est trop bizarre la matière. Un bio. Oh putain, le truc qui sort le grand. C'est horrible. Donc voilà, bah c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que vous aurez comme d'habitude découvert des produits. Donc bah, c'est le but de ces vidéos. Sinon on se retrouve donc sur mes réseaux et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous.